Donner le nom du lauréat ou de la lauréate. Il s'agit de Maëlys de Kerangal. Je suis fou de Maëlys de Kerangal depuis Naissance d'un pont. C'est un des cadeaux de la lecture quand on découvre un livre de vouloir lire tous les autres. Donc je suis remonté au début avec ce premier titre magnifique qui s'appelle « Je marche sous un ciel de traîne ». Et quand j'ai vu que paraissait ce livre « Réparer les vivants », j'ai eu peur. Parce que je me suis dit avec un tel titre, une telle ambition, il faut tenir. J'avais confiance, mais j'avais le trac pour elle et pour moi. J'ai été évidemment porté parce que ce livre, je ne vais pas redire ce qu'on a dit, et peut-être pas mal d'entre vous l'avez déjà lu, mais ça revient sur des questions absolument clés. J'en dirais trois, une petite question. Qu'est-ce que donner ? Qu'est-ce que recevoir ? Qu'est-ce que vivre ? Alors, il y a une autre dimension, moi, qui me touche beaucoup chez Maëlys, c'est que j'ai appris qu'elle était petite fille, fille et femme de marin. Connaissant les marins, je sais qu'ils lisent beaucoup. Et connaissant les femmes de marins, je sais qu'elles écrivent. Donc, il y avait une logique. Et que de plus en plus pour moi, il y a une ressemblance très étroite entre l'écriture et la navigation. Pour une raison simple, c'est que dans les livres, comme sur la mer, il n'y a pas de route. Il faut l'inventer. Ce que vous faites, livre après livre, en suivant les étoiles. Et je pense que parmi toutes ces étoiles, la première chez vous est bonne. Merci à vous. Bonsoir, je suis extrêmement émue et touchée de recevoir ce prix pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un prix assez particulier parce qu'il émane quand même des internautes et je trouve que ça lui donne une couleur orange un peu particulière et ça pourrait être aussi un signe extrêmement positif de la place que peut prendre la littérature et le roman sur la toile, notamment dans ces débats qui peuvent s'ouvrir, dans ces blogs, dans ces espèces de salons littéraires où on peut discuter des livres, où on peut avoir une parole très libre et faire vivre tous ces livres. Ça me touche aussi ce prix parce que la sélection était très belle et je voudrais saluer les autres finalistes, justement Hubert Mingavelli, Lola Lafont, Marc Landon et Edouard Louis. Qui m'ont écrit des livres très forts et voilà, et ça me d'autant plus fière d'avoir ce prix car leurs livres sont très beaux. Je voudrais aussi dire que pour moi ce livre est donc l'histoire le roman d'une migration cardiaque et je trouve que peut-être l'accueil qui m'est fait pourrait, c'est une piste, s'expliquer aussi par l'idée qu'il a peut-être l'ambition, ou en tout cas, il pose peut-être l'idée que la littérature peut construire justement du commun, dans cette idée de cœur qui fait cette trajectoire nocturne. Il y a quand même l'idée que, voilà, qu'est-ce que c'est donné justement dans ce don d'organes. Il y a aussi l'idée, voilà, qu'on va remettre à la communauté, remettre au commun, à la collectivité, voilà, des corps qui puissent en réparer d'autres. Et peut-être que cette
image-là est aussi celle qui a conduit ce livre et qui reconduit pour moi le geste d'écrire. Cette idée qu'on, voilà, un livre, il peut parler à chacun, il peut aussi interroger notre contemporain, je trouve ça intéressant. Je voudrais remercier le jury, bien sûr. Je voudrais remercier le jury et bien sûr tous les internautes qui m'ont dit que ce livre était le leur.